Et Janséniste disait qu'une idée nouvelle était forcément fausse puisqu'elle était nouvelle. Ce poids massif, on le trouve évidemment chez tous les traditionalismes, chez les orthodoxies. Ensuite, nous avons des théologies et des spiritualités qui donnent massivement la primauté. Quand je dis massivement, pour le passé ou pour le présent, ce n'est pas exclusivement. Elles donneront une place au présent, au futur. Mais quel est le temps le plus important? Quel est auquel il faut donner le plus de poids? Il y a des théologies et des spiritualités qui donnent la primauté au présent. Et c'est évidemment les existentialistes. Selon elles, ce qui est central, c'est la rencontre que je fais aujourd'hui du Christ et la décision que je prends maintenant à son égard. C'est, dira Bultmann, c'est le Christus présence, le Christ présent. Enfin, il y a des théologies et des spiritualités qui mettent l'accent sur l'avenir, sur l'espérance eschatologique, sur le royaume qui vient. Ces théologies du royaume qui ont fleuri au début du XXe siècle, et puis qui sont revenues un peu à la fin, la foi est avant tout espérance, espérance active. La théologie du process, en ce qui la concerne, a la volonté d'articuler les trois temps, de leur donner leur juste place, de ne pas en privilégier massivement l'un en écrasant les autres. Mais pour elle, le plus important, c'est quand même l'avenir. Et pour Cobb, le temps de l'action de Dieu, c'est l'avenir. Bien sûr, Dieu a agi autrefois. Bien sûr, Dieu agit aujourd'hui. Mais il est avant tout celui qui vient et celui qui ouvre à notre présent un avenir. D'où le titre « Dynamisme créateur », celui qui ouvre un avenir. Alors j'en arrive à ma troisième et dernière partie où nous allons prendre ce texte que vous avez sous les yeux, écrit par Alix Parmentier. Alix Parmentier est une religieuse actuellement très âgée qui a fait une thèse de doctorat sur Whitehead et qui après est rentrée dans les ordres et a mené une vie contemplative et priante et n'a plus rien fourni, si je peux dire. Mais son livre, je voulais l'apporter, je ne l'ai pas fait, est tout à fait remarquable. Et je prends cet article que j'ai, trois alinéas de cet article que nous allons lire et ça nous permettra de réviser ce que nous venons de voir. Alors, premier alinéa, le monde actuel peut être analysé en une multiplicité d'entités actuelles qui sont non des substances mais des événements, et plus précisément des actes de perception. Pour Whitehead, et c'est est percipere, être en acte, c'est percevoir. Alors je fais quatre commentaires. D'abord, vous retrouvez ce que j'ai dit sur l'entité actuelle. Entité actuelle, c'est l'élément de base pour Whitehead, l'élément de base pour de la réalité. Le monde actuel réel peut être analysé, peut être décomposé en une multiplicité d'entités actuelles. Les entités actuelles sont, écrit Whitehead, les choses réelles ultimes dont le monde est fait. Le monde est un ensemble d'entités actuelles. Et tout ce qui existe est ou bien une entité actuelle, ou bien un groupe, une combinaison ou une société d'entités actuelles. Deuxième commentaire qui reprend ce que j'ai aussi dit, les entités actuelles ne sont non des substances mais des événements. Bon, je l'expliquais, j'essaie d'éclairer encore par une comparaison. Une église, au sens de bâtiment, c'est un ensemble de briques, de pierres, de parpaings et d'objets assemblés. Une église, au sens d'une paroisse, au sens de paroisse, est un ensemble d'activités, de rencontres, d'assemblées et donc d'événements. Le monde, vu par Whitehead, n'est pas comme le bâtiment église, mais comme l'église paroisse. Ce n'est pas un assemblage d'objets, de choses, de substances, c'est un réseau d'événements. Troisième commentaire, l'entité actuelle est un acte de perception.
Moi, j'aurais tendance à écrire, mais la phrase n'y prêtait pas dans le texte, d'écrire acte au singulier et perception au pluriel. Parce que chaque entité actuelle unifie de multiples perceptions. Dans un acte unique, elle regroupe quantité d'éléments. Autrement dit, quantité d'entités actuelles précédentes. Le sentir rose de Pierre agglomère et conditionne plusieurs sensations et préhensions. Je comprends pourquoi tu as enlevé le S dans le titre de North Whitehead, Aventure d'idées. Tu l'as mis... Oui, oui, voilà, voilà. Tu l'as mis au singulier alors que tu étais au pluriel, d'accord. C'est exact. dans la phrase suivante, le essai Est Persipere est une citation explicite de Berkeley, avec l'équivalence entre être et percevoir. Le monde ne se trouve pas ailleurs que dans notre perception. Il est ce que nous percevons. Et je répète, c'est un point assez étonnant et difficile à saisir dans sa philosophie, la perception n'est pas, pour Whitehead, réservée à des êtres conscients. Et il refuse la séparation, la bifurcation, dit-il, entre l'homme et la nature, entre l'esprit et la matière, entre l'animé et l'inanimé. L'expérience est un fait universel, général, et qui existe même là où il n'y a pas proprement parlé ce que nous appelons conscience. Et c'est une des critiques que la philosophie du process, les philosophes du process adressent souvent aux existentialistes, dont ils sont par ailleurs très près. Hein. Il y a eu une grande thèse de doctorat sur Whitehead et Heidegger, que je n'ai pas lue parce qu'elle est en allemand. Mais les philosophes du process reprochent à l'existentialisme de faire de l'être humain un apax, un être à part, fondamentalement différent de la nature qui l'entoure. L'être humain est vraiment dans la nature, comme le reste de la nature. Deuxième alinéa. Chaque entité actuelle... Et Dieu aussi, du coup. Dieu aussi, oui. En fait. Oui, oui, je l'avais souligné quelque part là. Il y a un problème autour de l'étrangeté, de l'altérité de Dieu. Et c'est vrai qu'un des reproches qu'on a adressé, qu'on peut adresser à la théologie du process, c'est que l'altérité de l'aide de Dieu n'y apparaît pas fortement. Il y a des différences, mais pas vraiment une altérité. Il y a un continuum différencié. Mais ça nous fait entrer dans la théologie. Ça, c'est comme chez Leibniz. Alors, chaque entité actuelle, second paragraphe, en appréhendant l'univers entier, c'est-à-dire les autres entités actuelles et les entités idéales, les possibles, appelées objets éternels, unifie cet univers en elle-même selon une synthèse organique qui lui est propre. Chacune de ces entités actuelles n'est ainsi de ses relations avec le reste du monde, relations qui constituent son être même. Bon, j'ai passé très vite et je ne vais pas m'y arrêter sur toute la théorie des possibles, qui est très importante, mais extraordinairement complexe. Quand on dit entité idéale, comprenez bien entité idéelle, qui relève donc de l'idée, c'est pas l'idéal au sens éthique de ce qui est à imiter. Je laisse de côté toute cette partie-là, on ne peut pas tout voir et c'est compliqué, et je fais quatre commentaires. Bon, cet événement qu'est l'entité actuelle, premier commentaire, naît de la rencontre de plusieurs facteurs. C'est un nœud ou un carrefour de relations qui s'organise de manière originale. Il y a donc vraiment inversion de l'ontologie du langage, sous-jacente au langage. La relation vient en premier lieu et elle fait surgir l'être des choses. Nous avons des relations qui suscitent des réalités, des êtres, et non des êtres ou des réalités qui entrent en relation. Les relations ne sont pas extérieures aux entités, mais les constituent. Elles leur sont internes. Être réel
ça veut dire être relié. Deuxième commentaire, chacun de ces événements est en relation avec l'univers entier, avec le reste du monde, ses relations avec le reste du monde. Les entités actuelles sont toutes liées ou reliées entre elles. Et on a là ce que pittoresquement on a appelé l'effet papillon. Vous savez, le battement d'ailes d'un papillon à Tokyo déclenche un orage à Londres, ou plus exactement contribue à déclencher, il ne faut quand même pas exagérer, un orage à Londres. Tout se tient. Tout se trouve en interconnexion à des degrés ou selon des intensités qui varient. Et il y a là une critique, un rejet de la pensée classique. Souvenez-vous de Descartes, la première règle, c'est de distinguer, de diviser la difficulté en autant de problèmes particuliers. Rejet, critique de l'université qui compartimente le savoir en disciplines distinctes, indépendantes les unes des autres. La physique, la biologie, la psychologie, la cosmologie, la géographie. Et contre cette... La théologie. La théologie, oui. Et on pourrait dire la théologie, le biblique, le systématique, le pratique, etc. L'histoire. Et contre ce morcellement, cette parcellisation, la philosophie du process veut penser ou veut viser une pensée globale, relationnelle, holistique. Elle entend ne jamais séparer un fait, un domaine ou un problème de ceux qui l'entourent. La réalité ne se comprend, affirme Whitehead, que si on voit le monde comme un univers et non pas un plurivers. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas seulement interrelation, mais qu'il y a aussi compénétration entre les êtres. Ils sont tous formés les uns par les autres, ils sont tous formés de la même étoffe. Et ces affirmations conduisent évidemment à une vision écologique. Longtemps, l'expert du Conseil œcuménique pour les questions écologiques, Charles Birch, était un penseur du process. C'était un biologiste, mais il s'inscrivait dans le courant du process. Une vision écologique qui considère que animaux, végétaux, minéraux font partie de ses prochains, que la Bible nous demande d'aimer comme nous-mêmes, comme faisant partie de nous-mêmes. Troisième remarque, l'univers qu'appréhende et organise chaque entité actuelle comprend d'une part les autres entités actuelles et d'autre part ces entités idéales. C'est-à-dire des entités, donc j'ai dit plutôt idéales, qui existent dans la pensée, qui sont des idées. Pas la, ce qui caractérise l'entité idéale, c'est qu'elle est pensée, mais qu'elle ne pense pas. Par entité idéale, qu'il appelle aussi objet éternel, Whitehead dégage les possibles, possibles considérés, envisagés, imaginés, pris en compte. Et là, évidemment, il y a tout un passé philosophique là-derrière qu'on voit sans peine. Quatrième remarque, l'unification, la synthèse qu'opère l'entité actuelle est propre à chaque entité. Chacune a quelque chose d'unique. Il n'y a jamais répétition, reproduction pure et simple. Et chaque expérience représente une synthèse en partie originale et créatrice. Il en résulte évidemment que le monde ne forme pas un tout achevé. Il ne cesse d'évoluer, de se créer. Chaque entité contribue pour sa part à cette création. Le monde, écrit Whitehead, est incomplétude essentielle. Autrement dit, les process en mouvement, non pas provisoirement, non pas accessoirement, mais fondamentalement. Alors j'en arrive au dernier alinéa, puis je me presse parce que je suis trop long. Mais non, on a tout le temps. Loin d'être une substance distincte. Ah, mais,
en médecine. Loin d'être une substance distincte de ses relations, un sujet antérieur à elle, elle est un super-gé qui émerge progressivement de la multiplicité qu'elle unifie. Puis, ayant atteint sa plénitude, sa satisfaction, cette entité actuelle devient un objet pour une autre entité actuelle, pour un nouveau sujet super-gé qui émergera à son tour de sa propre unification des autres éléments du monde. Alors, trois commentaires. Whitehead parle de super-gé et non pas de sujet. Sujet, subjectum, ce qui est posé dessous, ou substance, stance, sub, ce qui se tient dessous. Sujet, substance, désigne quelque chose qui se trouve sous l'expérience, qui en constitue le substrat. Pour Whitehead, l'entité actuelle n'est pas le support de la rencontre, elle ne la précède pas ni ne la constitue, mais la rencontre est le support de l'entité actuelle, ce qu'exprime l'expression super-gé. L'entité actuelle jaillit, surgit des relations qui la font naître et exister. Deuxième commentaire, ces lignes distinguent deux temps dans le déroulement du process. D'abord un temps d'unification, de formation, de concrescence. Vous savez que le terme concrescence vient de la biologie, où il s'applique à plusieurs organes qui grandissent et se développent ensemble. Et ce premier temps aboutit à un sommet que Whitehead appelle plénitude, satisfaction, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, l'entité actuelle atteint son maximum d'intensité, de réalité, d'enjouissement, de jouissance. Je ne sais pas très bien comment traduire, c'est jamais très très bon. Je crois que De Bourcenay est à la recherche aussi d'une traduction de ce mot. Enjouissement. Enjouissement, oui. Vient ensuite un second temps où elle se défait et dépérit. L'entité actuelle entre dans un passé et fait place à une nouvelle expérience. Pendant longtemps professeur, je prends ma retraite et je cède la place à d'autres professeurs. Et c'est très bien comme ça. Mais l'entité actuelle ne s'anéantit cependant pas. Elle devient un objet qui est à son tour perçu, préhendé par une autre entité actuelle dans son processus de concrescence. Ainsi, l'entité actuelle est à la fois passagère et permanente. Passagère parce que comme tout événement, toute expérience, elle connaît une fin, elle disparaît, elle perd son actualité, sa présence, et s'enfonce dans le passé. Permanente parce que ce qui la suit, la récupère, la prend en compte, elle laisse une trace, ou plus exactement, un héritage. Alors je souligne qu'il ne faut pas voir, c'est mon troisième et dernier commentaire, qu'il ne faut pas voir dans le sujet super-gé, dans l'entité actuelle, une personne. C'est un des pièges de la lecture de Whitehead ou de la lecture des textes qui parlent de la philosophie du process. Ce n'est pas une personne au sens où nous l'entendons actuellement. Dans la phrase que j'ai citée tout à l'heure, l'entité actuelle, ce n'est pas Pierre, c'est sentir. Une personne ou un objet est une succession, un ensemble, ou selon une expression de Whitehead, une société d'entités actuelles. Ceci dit, la manière dont se forme, se développe et disparaît une société d'entités actuelles reproduit en plus complexe ce qui se passe au niveau de chaque entité actuelle. Alors j'arrête là. Bon, j'ai tenté donc d'exposer la conception de la réalité que propose la philosophie du process, conception qui va entraîner toute une philosophie, tout un ensemble de considérations. Cette conception a de nombreuses et importantes conséquences théologiques. Elle a donc donné naissance à la process théologie que j'ai exposée dans mon livre « Dynamisme créateur de Dieu » qui effectivement est le livre qui, je crois, introduit la théologie du process en francophonie, et dont Raphaël Picon a étudié la dimension christologique dans son ouvrage « Le Christ à la croisée des chemins ».
la découverte de la pensée du procès s'est faite à partir de démarches théologiques, même s'il m'a fallu ensuite, pour la comprendre vraiment, entrer dans la philosophie sous-jacente. Et pour le dire très brièvement et en un mot, c'était dans les années 70, à un moment où je me débattais avec les théologies de la mort de Dieu qui ont fait tellement de bruit dans les années 60-70, dont je trouvais que les arguments contre la conception classique de Dieu étaient excellents, mais dont je trouvais que la reconstruction et les conclusions étaient très mauvaises. Et je suis tombé sur un article de Cobb qui indiquait exactement ça et qui disait qu'il y a une possibilité de reprendre, d'essayer de repenser, pas complètement, mais de réapprocher la réalité de Dieu à partir de la philosophie de Whitehead. C'est donc pas extérieur, me semble-t-il, à la théologie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, André, cet exposé qui a bien rendu clair ce texte que tu nous avais envoyé et beaucoup d'autres choses. Donc, parce que tu as su nous donner le vocabulaire aussi qui correspond à tout ce qui c'est goûts d'expérience. Et c'est vrai que tu as raison de nous rappeler Berkeley. Tu as raison, c'est vrai que souvent on va trop vite par-dessus Berkeley, comme ça une œuvre est très, très brève. Moi je l'ai vu à l'agrégation, je me rappelle. C'est vrai qu'il est très déroutant et donc c'est comme un trou noir. Soit on rentre dedans complètement et après on n'en sort plus. Soit il faut s'en sortir. C'est pas évident de faire avec Berkeley. Berkeley était évêque, hein, je crois. Il était évêque, oui. Évêque anglican. Évêque anglican et ça. Le départ de sa philosophie, c'est quand même un projet d'apologétique. Oui, oui. Alors peut-être je fais deux ou trois remarques, mais c'est pour juste pour un peu ouvrir la conversation. D'abord, alors, je repartirai de Berkeley, l'importance du sentir en fait, parce qu'en fait tu as donné ça comme un exemple, mais c'est un le sentir est vraiment traverse toute la pensée de Whitehead et c'est très intéressant pour un mathématicien. Je trouve ça très original qu'il y ait cette mais le mot sentir peut-être prend du coup une ampleur quasi métaphysique, puisque le sentir d'une certaine manière, là je refais pour ceux qui étaient là au cours sur Spinoza et Leibniz, le sentir c'est, ça a à voir avec le continuum qui va depuis la perception la plus élémentaire jusqu'à l'intelligence, c'est la faculté de perception au sens de Berkeley d'une manière de ressentir. Non, le sentir c'est donc le fait qu'on est capable de recevoir ce à quoi on est passif, ne pas être justement seulement passif, mais la préhension. Comment est-ce qu'on appréhende les choses. Et alors ça c'est la deuxième chose que je voulais dire, c'est vraiment la préhension. Ça c'est extrêmement original et là aussi on est à rebrousse-poil de, je dirais, d'une esthétique qu'elle soit existentialiste, qu'elle soit lévinassienne, dans laquelle ce qui est bien c'est de recevoir. Il ne faut pas prendre, il faut recevoir. Et tout ce que nous dit Whitehead, c'est qu'il faut prendre. Les êtres prennent. Ils prennent, enfin les vivants. Mais même, d'une manière, dans cette métaphysique sans le continuum, il y a toujours des préhensions, il y a de l'appréhension. Et je trouve ça très, très original et très important parce que, voilà, on majore toujours le don, le donner, le recevoir par rapport à au prendre. Alors justement, peut-être que ça m'introduit une première question, c'est si on élargit la scène de la théologie au sens le plus général, justement, elle est tout le temps limitée à recevoir et donner. Si on l'élargit au prendre, est-ce qu'il ne faut pas aussi, du même coup, l'élargir au perdre? Et le perdre, là, au sens vraiment du dépérir. Et il me semble que ça va ensemble. L'appréhension va avec le dépérir. Le moment où on est pris. Ce n'est pas nous qui prenons, on est pris. On est repris dans autre chose que nous-mêmes, etc. Et ce temps du dépérir, ça, c'est un point, à mon avis, très important. Je me rappelle très bien la soutenance de Raphaël. Je ne sais pas si tu te rappelles, j'étais au jury avec toi.
Et c'était vraiment une question que je me disais, mais alors comment est-ce qu'on... est-ce que... Qu'est-ce que c'est que... Comment est-ce qu'on fait théologiquement avec ce DPR? Parce qu'on pourrait avoir une lecture de Whitehead, qui serait une lecture un petit peu, alors, lémnisienne dans le sens auquel Bayle s'attaque, qui est une conception finalement extrêmement... Une théodicée extrêmement... Dans laquelle finalement, rien ne se perd, tout est gardé dans la grande mémoire de Dieu, tout laisse une trace, et finalement... Et tout ça, c'est finalement très bien. Non, il y a quand même de la perte, il y a quand même du... Le dépérir n'est pas... Enfin, je ne sais pas. Moi, j'ai... Parce que sinon... oui, c'est ça, c'est un petit peu le même genre d'objection qu'on pouvait avoir par rapport à Hegel, le sentiment que, voilà, qu'il y a une sorte de... Alors ça, c'est peut-être une première question, comment est-ce que tu fais avec cette question-là? Ben non, c'est ma seule question. Enfin, il y a d'autres choses, mais comme question, c'est peut-être... C'est une question extrêmement pertinente, simplement, quelque chose d'anecdotique, et puis je répondrai plus profondément. Whitehead, peut-être... veut écarter cette perte. Whitehead, son fils, qui était pilote en 14-18, a été abattu et est mort 3 heures avant l'armistice, quelque chose comme ça. Ouais. Vous voyez ce que ça peut représenter. Hein. Et on sait que le choc a été énorme, même s'il n'en parle jamais lui-même. Mmh. Alors peut-être que du coup... mais ta remarque rejoint... quelque chose que je dois dire, je pense, à la fin du dynamisme créateur de Dieu. J'ai travaillé Whitehead, l'auteur que j'ai quand même le plus travaillé, c'est Paul Tillich. Mm. Et la différence, me semble-t-il, il y a des différences, mais une des différences tourne là. Et dans mes remarques à la théologie du process, quand j'ai écrit un code pour lui en parler, je lui ai dit, je trouve chez Dantilic un sens du tragique. Je ne le trouve pas chez vous. Est-ce que vous ne cédez pas à l'optimisme américain? Ben, les disciples de Whitehead, c'est aux États-Unis que sa philosophie a eu de l'effet. Est-ce que vous n'êtes pas... alors je pense évidemment les Américains avant la guerre de Vietnam, parce qu'après il y a quand même quelque chose qui change. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas là une vision très... beaucoup trop optimiste, qui oublie le dépérir. C'est vrai que... Quand tu fais du dépérir, quelque chose qui fait partie du processus. Voilà. C'est quelque chose, cette idée que tout se retrouve dans la mémoire de Dieu, on retrouve ça quelque part, peut-être pas chez Cobb, mais chez Griffin, enfin, c'est des thèmes qui ne sont pas très éloignés des penseurs du process. Et alors, Cobb fait une double réponse. L'une, c'est vraiment du berger à la bergère, en me disant... oui, peut-être, mais vous, Européens, est-ce que vous n'êtes pas obnubilés par les tragédies de votre XXe siècle? Est-ce que vous n'avez pas une vision complètement déformée et pessimiste des choses? Oui, ouais. C'est pas mal, quand même. Oui. C'est vrai. Et là, sa seconde réponse, moi, ce qui m'a le plus interpellé, c'est de dire, est-ce que vraiment on peut être chrétien et être pessimiste? Est-ce que l'annonce évangélique du royaume n'est pas le plus grand des optimismes? Voilà la réponse. Ceci dit, effectivement, il y a une dimension. Je suis actuellement en train de traduire des prédications de Tillich des années 47. Il y a une dimension tragique qui me touche, qui me semble d'ailleurs d'une actualité par certains côtés, non dépassée, bien que 60 ans se soient écoulés, plus. Et que je n'ai pas trouvé chez les théologiens du process. Ouais. Pour prolonger ça, je pense à cette phrase extraordinaire du maire de New York, l'année, je crois, 1912, où il y avait eu je ne sais pas combien de morts, parce qu'ils étaient en train de construire tous les énormes buildings, là, et donc il y avait je ne sais pas combien d'ouvriers qui tombaient chaque jour. Et la réponse, il avait été un peu interpellé quand même par quelqu'un. Il avait répondu, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est Staline, quoi, c'est Staline. C'est une époque stalinienne. C'est ça l'optimisme, on a envie de dire, bon, bah, quand même, après, on est quand même un peu, voilà, il faut être un tout petit peu. Mais alors, non, je posais la question parce que Whitehead, à la fin de la page 524, donc vraiment tout à fait près de la fin de Croyez et réalité, il a cette phrase extraordinaire qui pour moi, qui a beaucoup travaillé sur le dialogue entre Bayle et Leibniz, il me dit, mais ça, c'est plus Leibniz, c'est du Bayle, presque.
Le mal ultime du monde temporel est plus profond que n'importe quel mal spécifique. Il réside dans ce que le passé s'évanouit. Ça évoque peut-être ce que tu disais de son fils. Hein. En ce que le temps est un perpétuel dépérir. Objectivation implique élimination. Le fait présent ne comporte pas le fait passé dans sa pleine immédiateté. Le procès du temps voile le passé en le refoulant au-dessous du seuil de la sensation. Il y a unisson du devenir parmi les choses dans le présent. Pourquoi n'y aurait-il pas nouveauté sans perte ? C'est incroyable, cette formule. Pourquoi n'y aurait-il pas nouveauté sans... Parce que finalement, tout le but, c'est de créer des... C'est un cosmos qui crée sans cesse du nouveau. C'est ça le but de dynamisme créateur. Pourquoi s'il n'y aurait pas nouveauté sans perte parmi les choses dans cette unisson directe de l'immédiateté ? Voilà. Alors là, j'ai fait allusion au théologien, effectivement, Whitehead, lui, a le sens du tragique plus que... D'accord. Je pensais... Je crois que c'est une phrase de Schelling, « La nature pleure aussi, un bien perdu », quelque chose comme ça. Ah, ouais. Je ne sais plus dans où ça se trouve. Mais... Ouais, c'est très intéressant. Et peut-être, de ce point de vue-là, ça aurait été intéressant de mettre Whitehead en dialogue... il ne l'a pas connu, donc sans doute, avec Bachelard plus qu'avec Bergson. Parce que Bachelard est beaucoup plus... Il y a un sens très aigu dans la dialectique de la durée, du caractère rythmique, et puis de l'instant comme le tragique de l'instant. Le fait qu'il y a des ruptures et que voilà, c'est perdu, il y a de l'absence. Il y a de l'absence, c'est troué, c'est rompu. C'est que chez Bergson, il y a une chance que c'est la durée et que c'est quand même... l'évolution créatrice, c'était hier de Chardinien. Ça va toujours vers le point oméga. Chez Bachelard, c'est un peu plus... C'est vrai que ça relève d'un certain climat, cette volonté de penser autrement. Oui. C'est quand même le début du XXe siècle. On peut penser à Husserl ou à Heidegger. Oui. On peut penser à Bergson, on peut penser... et que Whitehead appartient à cette génération-là. Enfin, c'est un génie, hein, c'est quelle ampleur de pensée. Voilà, moi c'était, je posais une ou deux questions. La parole est à vous. Vous autres. Moi, je reste une question de précision par rapport aux démarches de la théologie du process. S'ils ne sont pas proches de la théologie de la prédestination. De la prédestination. De la prédestination. Parce qu'il y a cette insistance énorme sur le... sur la décision du présent. Il y a toujours une décision du présent. Elle n'est jamais... elle ne découle jamais purement et simplement de ce qui précède. Jamais, jamais, jamais. Il y a toujours une part d'inattendu dans tout présent et on n'est jamais condamné à une solution unique. Je me suis servi, je pense, quelque part d'une image toute simple, mais souvent les images simples permettent de comprendre des choses. Si vous voulez construire une maison, vous êtes théoriquement libre de faire ce que vous voulez. Vous avez des contraintes. Vous avez votre budget. Vous avez le terrain. Vous avez les conditions d'urbanisme, etc. Vous n'êtes jamais condamné à une solution unique. Deuxième élément, il y a cette idée que de l'incomplétude essentielle, c'est-à-dire que l'avenir est toujours ouvert. L'avenir n'est pas écrit. N'est pas écrit d'avance. Et de ce côté-là, il y a bien sûr une contrainte du passé qu'il ne faut pas négliger ni ignorer, mais ce n'est pas une prédestination. Je voulais demander, est-ce que le fait que les événements comptent plus que la personne permet de moins juger, est-ce que c'est une philosophie qui peut-être permet de moins juger les personnes ? Le fait qu'elles ne sont que le fruit de leurs événements, plus que qu'elles-mêmes, leur entité. Oui, on pourrait poser la question. J'ai le sentiment que c'est des philosophes et des théologiens qui ont plutôt tendance à être bienveillants, ce qui n'est pas toujours le cas dans le monde théologique et philosophique. Alors, est-ce que c'est lié à ça ? Que la décision est aussi importante. Je ne vois pas beaucoup de conséquences juridiques. Je sais qu'il y a des juristes qui ont réfléchi sur la théologie du process, mais je ne les ai pas lus, je ne sais pas ce que... C'est
C'est-à-dire, en fait, là, je vais faire une petite parenthèse. J'ai noté ça au passage. Je me rappelle que Alain Badiou, dans un débat au Collège international de philosophie, à la fin d'un exposé de Ricoeur, a dit « Ah, ça, c'est chrétien. » Et c'était quoi qui était chrétien ? C'était l'idée que le sujet vaut plus que ses actes. Oui. Que le sujet peut être... Donc, qu'il y a encore quelque chose d'autre. À mon avis, c'est ça, d'ailleurs, qui est l'idée de la prédestination. Moi, je suis totalement d'accord avec ta conception. C'est pas le prédéterminisme, la prédestination. C'est l'idée qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas, qui appartient à Dieu, et bon, on ne sait pas. Et donc, ça veut dire que on peut, le sujet est toujours... Alors, c'est une c'est pas un substantialisme, c'est un substantialisme par le creux. Regarde, on vide, on ne sait toujours pas ce que c'est que le sujet. Jusqu'à la fin, on ne sait pas ce que c'est que le sujet. Donc, c'est peut-être une sorte de lecture en théologie négative, hein, mais voilà, c'est une conception... Alors, en tout cas, si on prend l'exemple que j'ai pris de Lavare et d'Harpagon, on ne dira pas à Harpagon, il ne peut rien en sortir. Voilà. Hein. Au contraire. Bon, c'est jamais fini. Oui, il y a un truc qui, moi, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais me gêne un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a, au-delà de la perception que vous avez dit, oui, on a tendance à voir cette espèce de bizarrerie que des choses non pensantes, non conscientes, perçoivent des choses. J'ai l'impression que c'est un peu plus général, qu'il y a comme un anthropomorphisme de l'univers en général, dans ce que vous décrivez, peut-être par un rejet de... Vous disiez qu'il y a un rejet de faire une distinction un petit peu binaire entre l'homme d'un côté, ce qui est du domaine de l'homme, et ce qui est du domaine des objets, etc. Et sous ce prétexte-là, j'ai l'impression qu'il anthropomorphise un petit peu tout le reste de l'univers, quelque part. On a parlé de panpsychisme. De panpsychisme, c'est Arsol qui a dit ça. Panpsychisme. Faut-il dire anthropomorphisme ? Il faut dire que l'être humain rentre dans un cadre général qui n'est pas une exception dans l'échelle des êtres, et que donc ce qui vaut pour l'être humain et ce que nous analysons pour l'être humain vaut pour le reste de la réalité. Mais effectivement, je trouve que c'est quelque chose qui est à la fois extraordinairement intéressant et extrêmement difficile à penser, c'est cette idée de prévie, de préconscience dans ce qui n'est pas vivant et dans ce qui est... Je sais que quand j'ai parlé ici même de la théologie de Cosette, c'était toujours là-dessus que ça butait, et je le comprends. L'idée se trouve chez Théilhard de Chardin, en discutant avec des scientifiques, il ne cesse de vous dire les frontières ne sont pas bien fixées, mais enfin quand on a passé les seuils, c'est quand même pas la même chose. Et il y a là certainement un des points très difficiles à penser dans la philosophie du process. Oui, parce que j'ai l'impression qu'à notre époque, lorsqu'on se rend sensible à la physique théorique, un petit peu ce qui se passe au-delà des limites de notre perception sur Terre, un petit peu dans la théorie comme ça, on se rend compte que l'être humain, finalement, c'est une originalité parmi d'autres possibles. C'est pas forcément... comment dire, si on va très loin, on pourrait peut-être trouver des choses aussi surprenantes que l'humain, alors que sur Terre, l'humain peut sembler être un petit peu à part, mais pas forcément dans l'univers en général. Il y a l'idée très très forte que l'exception, de penser en termes d'exception, est toujours une erreur. Il ne faut pas penser en termes d'exception, mais en termes de généralité. J'ai été frappé, j'ai un ami qui est spécialiste des nanosciences, qui me raconte des trucs que je ne comprends pas très très bien, mais où on voit effectivement quelque chose comme une sorte de spontanéité de la matière qui me fait penser quelquefois à la philosophie du process. Mais c'est difficile à penser. Hein. Je dois dire que l'avantage... que j'y vois moi, tout à fait nettement, c'est que là, on va vers une pensée qui nous apprend à prendre en compte et à respecter l'environnement, à ne pas en faire simplement un matériel à notre usage. C'était un petit peu ma question.